C'est sous une grosse canicule que vient de se terminer la Coupe des Bissawa-Morel ici au club de golf Kiwiteb à Trois-Rivières. Deux belles rondes de compétition et à mes côtés la championne dans la catégorie amateur, Audrey Paradis. Je suis tellement contente. Oui, c'est la première fois, je pense, que je te fais une entrevue. Première victoire cette année et première fois que tu remportes la Coupe des Bissawa-Morel. Comment est-ce que c'est significatif pour toi? Bien, c'est super significatif parce que Debbie, bien, c'est la pro à mon club où est-ce que j'ai grandi, j'ai appris à jouer au golf, j'ai toujours joué Debbie au Mirage, c'est ça. Fait que de pouvoir remporter son tournoi, c'est fun, c'est cool, ça me touche beaucoup. Puis j'ai vu comme on a vu tantôt, ça la touchait beaucoup aussi. Elle est arrivée les yeux pleins d'eau, puis elle m'a sauté dans les bras. Fait que non, je suis vraiment contente de remporter son tournoi. Puis si on se parle un peu de ton jeu, tu as commencé ce matin, tu es à égalité avec Evelyne Lucier. À plus 4. Est-ce que tu avais une stratégie en tête? Comment tu voulais affronter ta ronde finale aujourd'hui? Dans le fond, je voulais continuer à jouer comme j'ai joué hier. Hier, j'ai joué relax, pas de stress. Si je fais un mauvais coup, ben c'est pas grave, je peux m'en reprendre. Fait que j'ai un peu continué ce débit relax aujourd'hui. Puis, t'as porté fruit. Là. Je me sens fâchée. J'aurais aimé ça qu'il y ait une couple de potes qui rentre comme tout le monde, mais ça a quand même bien été. Donc, je pense qu'après les 9 premiers trous, là, ça a été un peu plus difficile pour Evelyne. Mais là, c'était Rose qui te suivait de près par un coup, je pense. Et c'est au 16e trou, malheureusement. Je pense que Rose, elle a fait un double. Fait que là, tu avais quelques coups d'avance. Comment tu t'es sentie au 18e lorsque là, tu savais que tu remportais? Bien, je savais que je remportais, mais j'avais quand même 3 coups d'avance. Mais le 18e, il est quand même assez compliqué. Il y a de l'eau en avant du green, le hasard de chaque côté. Fait que je savais que c'était pas à 100% garanti. J'ai fait une drive qui a fendu le fairway en deux. Après ça, j'ai mis ma balle sur le green avec 20 pieds, puis j'ai fait mon deux potes. Puis quand j'ai poté, puis que ma balle est rentrée dans le trou, j'ai senti l'émotion remonter, puis j'étais vraiment contente. Puis en quoi est-ce que cette victoire va t'apporter, j'imagine, la confiance pour les prochains tournois? Comment est-ce que ça va comme t'aider pour tes potes? Bien, c'est sûr que c'est de la confiance qui est en banque, là. Fait que ça me donne un petit coup pour moi-même, pour de voir que je suis vraiment bonne, puis je l'ai, puis que j'ai ma place ici avec les meneurs. Et tu fais partie de l'équipe amateur, provincial, féminin, qui va participer au championnat canadien. Donc, c'est une première? Oui, chez les c'est amateurs? Une première chez les amateurs. Et junior aussi, j'ai jamais fait, c'est une première tout court. Oh my god! Est-ce que t'es excitée? Oui, je suis vraiment excitée. Ouais, ça va être le fun, puis j'espère le terrain là-bas, il est extrêmement beau. Bien, bonne chance, puis très contente pour toi. Merci beaucoup.